aujourd'hui, c'est le lancement de la deuxième vague du programme École numérique que nous faisons avec entre la Fondation Orange Maroc et le ministère de l'Éducation nationale. Ce programme a été démarré en 2022. On a pu le déployer dans 16 écoles rurales. Donc, il y a 4 000 élèves qui en ont bénéficié, et puis une trentaine de professeurs, d'instituteurs qui ont été formés. Et Inch'Allah, la deuxième vague va concerner 55 écoles rurales, donc dans les 12 régions du royaume, pour atteindre, Inch'Allah, 17 000 élèves. Et on aura à peu près 200 enseignants qui seront formés à la fin du programme. Ce projet des écoles numériques consiste à donner en fait à ces écoles du matériel numérique, donc des ordinateurs pour les professeurs, mais également des tablettes pour les élèves, un Raspberry où il y a tout du contenu pédagogique qui est développé avec le ministère de l'Éducation nationale, également des casques, etc. Et donc le programme consiste en la mise à disposition du matériel, du contenu, mais également la formation, le suivi des élèves et des professeurs pour l'utilisation de ce matériel. On est très heureux déjà des retours qu'on a eus après la première vague. On a interviewé, ou le ministère en fait a fait une étude auprès de 450 ou 470 bénéficiaires qui ont tous reconnu l'impact extrêmement positif de ce type de contenu, de formation et de matériel. Ça leur donnait, les élèves étaient un peu plus, étaient très contents de venir à l'école, étaient contents d'apprendre, ça les a challengés, ça leur a permis de faire des travaux de groupe, etc. Donc on est très contents de renouveler le programme et de déployer sur ces 55 écoles.